Voilà, messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Il y a un plaisir, on l'a fois encore pour ensemble, pour nous présenter au dernier sorti rendez-vous info pour ce maintenant. Moi c'est Jacqueline Belizère, avec un grand point cap dominé actualité. Haïti a paré pour le marquer 3e anniversaire assassinat et président Jovenel Moïse, dans le moment gagné un blocage et même un silence dans le dossier dans le pays. États-Unis, élection, président Biden a travaillé pour sauver campagne pour le réélu président avec une visite dans l'État Wisconsin et puis une interview télévisée. Toujours dans l'international, jeudi vendredi, le premier ministre britannique là, Rishi Sunak a annoncé démission comme chef parti conservateur après défaite dans l'élection législative. Et puis au Venezuela, lancement campagne électorale présidentielle là, avec un gros rassemblement président Nicolas Maduro yon bo ak opposition politique yon l'autre bord. Oui, ici aux États-Unis, 2024 là son année électorale et dans moment n'a pas là gagner président Joe Biden lui-même cap essayer sauver campagne pour capable joindre un deuxième mandat pour la Maison Blanche et dans moment n'a pas là trouver dans Madison dans Wisconsin côté que l'a essayer convaincre et électeurs dans Wisconsin et il dit il pral remporter Wisconsin une autre fois encore. Sandra Lemaire. Président Joe Biden a tamé une étape importante dans le cadre de la menée pour sauver la campagne réélection qui est en danger. Il y a des gens qui disent que Biden a quelques jours seulement pour convaincre le peuple américain qu'il est en forme assez pour faire travail président cela avant l'appui démocratique complètement évaporé après mauvaise performance dans le débat contre Donald Trump. Déjà, il y a quelques gens qui contribuent en pile l'argent dans la campagne qui soit beaucoup bail aucune contribution pour Kounier, ou soit ou annulé marathon ou t'es intention faire pour cotiser l'argent pour campagne. Là. Biden lui-même admet pendant une rencontre avec gouverneur démocrate que les besoins dormir plus et puis limiter événement cap déroulé talent 8 pour les cas en forme assez pour le faire travailler. Christian Gross, c'est un professeur sciences politiques dans l'Université Sud-Californie. Ça assuage concerns that governors and a bunch of elected officials have about his performance. Lizzie Biden a essayé de soulager que ce gouverneur a gagné, à coup bon officiel élu gagné, par rapport à la performance dans le débat qui ne parle pas du tout. Même quoi qu'on y a une question qu'a posée, c'est est-ce qu'il a convaincu l'autre démocrate, le gouverneur, avec le membre congrès, qu'il est capable de pousser coupé devant et puis représenter le parti dans l'élection présidentielle à force. À part ça, il y a une question est-ce que l'a bien géré la présidence là? Jeremy Suri lui-même, qui est un professeur d'histoire et relations publiques dans l'Université de Texas, Austin, quoi tout ça fait partie campagne électorale. No, I don't think he's toast. You know, campaigns go through cycle after cycle. Il dit, pas quoi Biden boit l'huile. Campagne passée par plusieurs cycles et personne n'a pas prédit ça quoi le passé. C'est comme ça bagaille toujours lié et qu'il y a avec les réseaux sociaux, surtout dans le monde côté bagaille arrivé chaque jour. Et puis leur opposant, c'est Donald Trump, ça connaît qui lui a pas le ou l'autre série vidéo qui vient rapport à l'autre ménage, monsieur Tegayen à son côté. Il y a trois points d'interrogation. Mais question. La question qui va continuer à poser, c'est l'état de santé de Joe Biden. Il a qu'à remporter l'élection quand même. Campagne qui a espéré débattre après soulager tout ce qui a sauté gagné. Mais qu'est-ce qui a sauté ça pour continuer chaque jour pour campagne Biden si monsieur décide de rester dans la course là. Pendant un barbecue qui était organisé dans la Maison Blanche pour célébrer 4 juillet avec la famille militaire américaine, Biden a dit qu'il n'y a pas pral aucun côté. I'm not going anywhere. All right. Non, fin mois de juin, pendant l'étape menée campagne en Caroline du Nord, Biden a essayé de rassurer les électeurs qui connaissent ça l'a fait. I know how to do this job. I know how to get things done. Je dis qu'on fait job ça, qu'on qui j'en m'a accompli bagaille, qu'on est même gens à plusieurs millions américains que l'eau tombée ou camper et puis continuer vous-même.
Président pral mener campagne dans l'État Wisconsin jeudi vendredi a, et puis fait chit attendre avec journaliste ABC George Stephanopoulos pour une interview que réseau télévision ABC va diffuser à soir dans leur côté plus téléspectateurs à regarder. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Effectivement, dans Madison, dans Wisconsin, président Joe Biden fait que ce palais-là, il reprend le même discours qu'il a fait dans la Maison Blanche dans l'occasion 4 juillet, à côté qu'il dit pas pral en ken côté, il dit que il pral gagner Wisconsin yon l'autre fois encore, l'a prêté dans course là et il pral remporter la victoire. Il dit il bat déjà ancien président républicain Donald Trump et il pral battre lui encore. Il était tout profité attaquer monsieur Donald Trump pour paquet démêlé li gen avec la justice. Pendant de 4 juillet, ben sans pile célébration, en pile activité marquée journée ça, et ceci comme d'habitude. Nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis. C'est plusieurs millions de monde qui étaient célébrés hier jeudi 4 juillet à fête indépendance les États-Unis. Malgré plusieurs côtés dans le pays, il y a en bas avertissement qui te fait qu'on est que tu as pris un gros chaleur. Ça n'a pas empêché les gens de réunir en famille, rassembler ensemble sous plage et puis voyager en foule, puis à griller toute qualité viande, faire barbecue, cuite manger, participer dans la parade, jouer musique, danser, tout ça dans l'esprit joue indépendance les États-Unis. Qui c'est un jour férié, côté que nation t'a commémoré signature déclaration indépendance li dans mes pays Grande-Bretagne pour établir les États-Unis d'Amérique, dans date 4 juillet 1776. Dans Washington DC, ciel là t'est couvert avec fédatifiste qui t'a baillou éclat lumière qui t'est éclairé nuit là en les têtes nationales molles là. Tout partout à travers pays, à sorti Boston, passé Battleboro, Vermont, dans Waco, État Texas, dans Californie, t'es une belle parade, côté que en majorité, moun yo t'es habillé en rouge, blanc et bleu, et yo t'a balancé drapeau pays yo en commémoration jour indépendance là. Pour moun qui t'a voyagé, yo jour ça yo t'es prévoit en pile trafic avec vol qui rempli à craquer. Y'a moun qui t'es bloqué dans l'aéroport yo ak en pile moun sur autoroute yo, avec moun qui yo même yo t'a pris train pour yo aller dans célébration 4 juillet. Service sécurité transport aux États-Unis a rapporté que il y a presque 3 millions de monde qui étaient voyagé dans l'aéroport dans un seul jour semaine passée. Yo arrivé recensé que 60.6 millions de monde étaient voyagé dans machine pendant période fête ça qui pour en pile monde c'est un week-end prolongé jusqu'à lundi prochain. Sous côte les États-Unis monde qui remet ambiance plage dans état Connecticut yo, par exemple, parking yo était rempli jusqu'à toute capacité yo, tellement te gen monde sous plage 3 km ça dans Hamonaset Beach State Park là qui c'est un gros plage sous rivage état Connecticut là. Dans Philadelphia malgré température chaleur a arrivé dans 90 degrés Fahrenheit, ça pas empêché foule monde rassemblé sous site historique dans ville là. Côté que déclaration indépendance n'a été adoptée dans date 4 juillet 1776 là. Dans Assouet, t'es un gros feu d'artifice sous Benjamin Franklin Parkway après un concert musique qui te bail par artistes américains Nio à Keisha. Dans ville New York, la tradition feu d'artifice annuel magasin Macy's là, t'es tiré plusieurs milliers de projectiles lumière dans ciel là qui sortit dans Hudson River, qui t'éclairait ciel ville Manhattan là, ville Hoboken là, rivé juste dans ville Jersey City. Juste dans le quartier Queens, où tu es capable de voir les lumières feux d'artifice clairé qui t'a explosé derrière Silhouette Empire State Building. Dans l'État Alaska, dans la ville Seward, tu as commencé un feu d'artifice à minuit pendant que plusieurs milliers de monde t'es rassemblé sur une plage. Mais durée de temps, tu as vu belle feu d'artifice dans le ciel là, tu écoutes en pile parce que le ciel là t'es vine fermé. Parce que dans le moment ça, pendant l'année, dans l'État Alaska, soleil a qu'on levé à minuit. Jour férié, fête indépendance des États-Unis 4 juillet, généralement c'est un jour qui unit américain yo dans sentiment l'amour ak partage pour pays yo. Mais version 4 juillet 2024 ça vini dans une série de gros défis ak polarisation politique à la veille course électorale présidentielle ça qui marqué par une gros division. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. N'a prêté toujours dans ambiance 4 juillet et nous pralé dans Chicago avec Obed Lamy. Musique, manger, zévatisana, jouet pour tout le monde. C'est l'ambiance bamboche communauté haïtienne à Chicago qui rassemblée dans l'après-midi 4 juillet pour fêter fête indépendance américaine pendant la célébrer qu'il tire. Événement ça a rassemblé plus passé une centaine grand monde jeune couti monde. Gérald Daé c'est monde qui te mette programme ça sous pied, ça a environ 40 l'année. Et ça c'est une tradition. Je dis à moi c'est tellement content parce que gros paquet de équipe qui était parti, ça crée Miami, Boston, New Jersey, Las Vegas, les gars sorti tout partout aujourd'hui.
en pile nous en pile en pile en pile dans monsieur qui fait venir on parler les nèg yo migrant tout temps parce que puis fond yo vinn zanmi me connait là so tout monde invité là. Jean-Étienne Lavache rivé États-Unis depuis environ 22 jours après li passé dans plus passé 20 pays. C'est première fois la participer dans fête ça et c'est une bonne façon pour lui faire rencontre à communauté haïtienne et puis reconnecter à Kiltil. Bon, moi il y a un sens et patriotique. On moi tout haïtien, tout haïtien en couleur, bien qui bien couleur drapeau, moi drapeau noir flotté, ça vraiment fait bien. Mais à la vérité, l'idée originale programme ça c'est pas vraiment pour célébrer fête indépendance États-Unis. C'est un groupe haïtien qui devait profiter jour congé 4 juillet pendant yo t'es réuni dans quartier pour jouer football et puis danser. Gabriel Altimé, un citoyen haïtien américain qui participait dans fête ça depuis le commencement, a raconté comment ça t'est dans première année. Bah, nous t'ai commencé pique-nique ça. Nous 10, nous 15 et puis il vient grandir et puis connait yo vinn voyer nous à James Park parce que avant ça c'est en face la caille le tout pour faire sur Dempster ya et puis connait tellement comme vinn gain monde connait yo vinn mettre nous là dans plus beau parc avec communauté haïtienne qui a continué grandir chaque année dans Chicago. Festival 4JS a tourné plus passé en simple célébration mais en façon tout pour communauté à rappeler contribution dans l'histoire États-Unis et puis réclamer place dans la société américaine. Quoi que c'est indépendance américaine, mais haïtien fait un pile pour américain tout dans la bataille Savannah en Georgia qui veut que nous vérité nous gain droit pour nous faire pour nous célébrer jour ça tout parce que nous perdons monde pas nous dans célébration ça dans bataille ça. Obed Lamy pour VOA Creole depuis Chicago. Merci Obed Lamy et c'est avec dernier reportage ça que n'a bouclé chapitre sous qui gain rapport avec 4 juillet et qu'on y a nous pral retourner dans actualité internationale là qu'ap mène nous dans la Grande-Bretagne côté Premier ministre Rishi Sunak annoncé démission li comme chef parti conservateur après défaite li dans élection législative. Serge François Michel. Leader parti travail Keir Starmer, tourné premier ministre Grande-Bretagne, quelques temps après parti a remporté en victoire Lavalas. Starmer mené parti liant tourné dans le gouvernement après moins que 5 années depuis le subi pi mauvais défaite li dans presque un siècle. Mais parti travail là fait face tout à qu'aucun travail qui s'est rebaillé économie en jarrette et puis poté espoir pour nation qui découragé à gouvernement. Leader conservateur Rishi Sunak dans discours à Dili il t'a dit qu'il comprend le collègue électeur et qu'il prend responsabilité pour la défaite. Là. Après ça, il est allé dans le palais Buckingham non? Et puis présenter démission à Washall 3. Premier ministre Keir Starmer a invité le peuple à camper avec lui dans la mission qui s'est refait nation pour mettre tout neuf. C'est ça, il dit dans le premier discours officiel li, après victoire Lavalas, parti travail. Là. Il y a un mandat comme ça venu à co-responsabilité. C'est comme ça Starmer parle avec supporter. Il y a au côté, il dit bataille pour rebâiller le peuple à confiance. Là. Après des années, écoutez, nous t'ai perdu tout espoir, c'est bataille ça qui pourra définir l'époque noire. Mais moun nan bâtiment qui parlait avec précaution, qui te mène campagne sous base pour éviter danger, ça va aussi pour un pile groupe dans la communauté business là. Et bah, yon endossement journal qui est une tradition conservateur. Parmi eux, journal Tripotage Sun, qui c'est business grand propriétaire média, Robert Murdoch. Serge François Michel, VOA Creole. L'autre point dans l'actualité internationale, là, c'est lancement campagne électorale présidentielle dans le pays Venezuela. Côté pouvoir, descendre dans la rue et opposition tout descendre dans la rue pour ouvrir campagne électorale là. En allouez ça à peu près. Président Nicolas Maduro baille coup d'envoi campagne électorale liée à qui ont hommage pour défunt président Hugo Chavez, côté lui utiliser musique campagne défunt en 2012. C'est plusieurs milliers de monde tout rouge avec drapeau dans main yo, photo défunt président Chavez avec photo président Maduro, yo même yo té foulé béton. Président Maduro. Hoy arrancando la campaña electoral. Jodi a nous commencer campagne électorale là et Chavez doit monter sous podium nan avec musique inoubliable. On chanter avec Chavez Corazón del
pour les bros. Président Maduro dit yo pral remporter yo coquine victoire 28 juillet k'ap vin la parce que li même ak peuple là c'est force l'histoire. Cependant la plupart sondage yo mette opposition dans tête intention vote yo. Opposition la gay yon paquet accusation sous do pouvoir d'après yo qui a fait persécution politique côté yo fait arrestation harcèlement sous commerçant k'ap travail ak opposition. Opposition li même tout li en bas accusation d'est-ce que la fait complot et la commettre zak terroriste d'après pouvoir. Ayo mwa élection yo nan Venezuela, an pil question a poser. Est-ce que par exemple Edmundo González Urrutia, candidat improvisé opposition politique là, apparaît nan machine électorale yo? Est-ce qu'il apparaît nan urne yo? Est-ce que président Maduro gen capacité pour mobiliser maximum moun pour venir voter pour lui 28 juillet? Yon l'autre côté, partisan opposition te descend en masse dans la rue sous béton. Chef opposition Maria Corina Machado ak remplaçant nan Edmundo González Urrutia te paraît main dans la main nan mitan yon paquet foule et madame Machado te prend la parole. Nous comptons pour nous voir ça qui a passé jodi a dans Caracas. Nous connaissons tout Caracas en bas en pile pression politique, menace avec violence. Ça nous est là, c'est une apothéose. Yon lavalas moun qui traverse Caracas et tout pays a et en même temps. Madame Machado, qui a 56 ans, ajouté, ça lui est là, c'est une démonstration qui veut dire que peuple vénézuélien déterminé pour gagner un changement profond dans le pays. États-Unis te suspend quelques sanctions contre l'industrie pétrolière Venezuela après que le gouvernement Maduro ak opposition te d'accord en Barbade en octobre 2023 pour gagner une élection libre et équitable dans le pays en 2024 en présence observateur international. Mais sanctions ont été rétablies après que Machado ak un pilote membre dans l'opposition politique là pas de une autorisation pour participer dans l'élection. Dimanche qui saute passé là, observateur Saint Carter, qui est basé aux États-Unis, a qui un groupe expert l'ONU t'a supervisé une activité électorale. Pays voisins Venezuela, tant qu'au Brésil et Colombie, fait voir au fait seul pour demander élection 28 juillet pour yon libre et démocratique parce que yon même yon gen crainte pour yon vague immigrant pas débarqué sous territoire yon. Donc, on rendez-vous c'est 28 juillet pour élection présidentielle dans le pays Venezuela. Pendant ce temps, il y a un ouragan Beryl qui est toujours en vie et l'a menacé plusieurs pays parmi eux. Mexique, Gentil Augustin Junior, gain détail. Puissance destructive Beryl, qui arrivait bien bonnet dans la saison cyclone, montrait conséquences sur l'océan Atlantique qui tape chauffé. Et spécialiste la science dit, participation moun yo nan changement climat alimenté mauvais temps. Directeur Centre National Cyclone Américain Michael Brennan te averti gros inondation. Beryl is again quickly moving west northwest. Beryl déplacé bien vite nan l'ouest pour aller nan nord-ouest côté Ukawe, côte là nan péninsule Yucatan ici là. Nous ta ka gen quelques gros lapli, mais nous espérer quelques quantités isolées qui ka rive jusqu'à 10 pouces dans quelques parties dans Yucatan. Yon tijan raisonnable dans Sid Cozumel ak zone Cancun. Qui donc combinaison précipitation ça ak vague tempête là dans zone côtière yo capable créer gros inondation. Pi gros destination tourisme Mexique te mette sous alerte rouge bien bonnet jeudi vendredi 5 juillet 2024 là. Cyclone Beryl, qui te vin intensifié nan yon tempête catégorie 3 hier jeudi, te frappé pi gros espace touristique Mexique yo. Après li te fin passé sous île Caïman yo ak Jamaïque. Ak gros vent qui te détruit building ak pied bois te déraciné. Environ 3000 touristes évacués sorti nan Isla Mujeres nan terre principale là, tout près Cancun. Pendant que au moins 100 vols te annulé nan aéroport international Cancun. Moi pas connais si yon tempête t'a privé. Moi pas gardé nouvelle yo. Donc moi pas te rendre compte. Moi te supposé voyager à Belize demain, mais moi ka aller pita. Résident Tulum nan sud-est Mexique te préparé hier jeudi 4 juillet pour river cyclone Beryl. Résident local yo qui gen expérience dans protection tempête te allié nan yon station gaz pour remplir tank ak réservoir supplémentaire pendant que hôtel ak complexe touristique yo te retiré meb ak en pile équipement. Ya tenemos un poco experiencia en nous gen quelques expérience ak cyclone. Nous protéger tête nous nan acheter provision, remplir tank gaz la, protéger fenêtre ak porte nou yo, nettoyer
la cou nou yo. C'est comme ça nous protéger tête nous. Nous attentif à instruction autorité yo. Garde national mexicain t'est déployé pour bail sécurité dans station gaz et puis pour aider résidents yo nettoyer la rio. Ak débris dangereux tant kou vite qui cassé. Tempête là qui t'est derrière yon sentier destruction qui touye moun nan plusieurs îles Caraïbes là tant kou Jamaïque, Grenada, Saint-Vincent ak Grenadine ak Nord-Venezuela nan jou ki sot passé yo. Prévision météo yo di que tempête la ap déplacé nan direction nord-est Mexique ak sud Texas nan fin semaine. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Au toujours sous VOA Creole, suivi un programme dans langue créole haïtienne, n'a pas entré dans l'actualité à concernant le pays d'Haïti. Côté partisan, président Jovenel Moïse prévoit organiser diverses activités dans Port-au-Prince pour marquer 3e anniversaire assassinat président et Jovenel Moïse. Détail avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince. 3e anniversaire de la mort président Jovenel Moïse, là, c'est pris le dimanche 7 juillet qu'a venu là. Dans l'occasion triste événement ça, partisan feu président compte organiser une pléiade d'activités dans la capitale haïtienne, Rosemont Jean. Samedi 6 juillet, de 8h à 10h du matin, nous avons mis devant le président, nous avons mis un mini veillée patriotique. 7 juillet, devant le président, de Pèlerin Saint, nous avons mis un ensemble d'activités, nous avons mis non, te journée activité ça. Activiste politique l'an dit le regret 3 l'année après l'assassinat ça, autorité haïtienne yo pas arrivé faire rien pour mettre en bas code criminel yo et traîner yo devant la justice. Cependant, il était croit la justice américaine agit différemment dans cadre traitement dossier ça. Non, 20 pas qui doit faire, la justice américaine fait 6 pas parce que il y a 6 criminels qui condamnés, mais nous rete 14 grand assassins système non qui d'ailleurs. Jean Laguel Civil, bon côté parle, ancien coordonnateur sécurité présidentielle, exprimé lui dans occasion 3e anniversaire ancien président. Les dénoncer Aïssa Chorli et vice des formes qui gagnent dans l'enquête, les considérer comme politiquement orienté et injuste. Il a affirmé que véritable coupable est toujours en liberté, tandis que innocent yo tant que lui-même à bois prison. Jean Laguel Civil mandé une révision sur enquête yo et libération tout détenu innocent yo. N'a pas rappelé dans l'an 8-6 pour le 7 juillet 2021, yon commando te entré en dans résidence président haïtien Jovenel Moïse dans Pèlerin 5 et carabiné ni avec plusieurs balles. Madame Nimatine Moïse te blessé. Assassinat ça nourrit climat insécurité qui a régné dans le pays selon divers observateurs. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et actualité à Konya mené nous dans le département Nord pays à côté yon magistrat dans ville Cap-Haïtien APC convainc compagnie avion Spirit Airlines pour pas réduire quantité vol yo dans au airport au Cap-là selon magistrat en pile haïtien gain pour entrer dans pays en période vacances. Un reportage Gérard Maxino. Malgré pays en bouleverse, c'est un pile compatriote qui a entré et ça dans airport Cap-Haïtien. C'est dans la même période que la compagnie avion Spirit Airlines veut réduire la quantité de vols dans l'aéroport international Cap-Haïtien. Une décision qui fait magistrat en après ville Cap-Haïtien, Patrick Almodo, a rencontré avec un responsable de compagnie avion Spirit Airlines une façon pour être capable de tourner sous décision. Parce que selon magistrat, c'est dans le moment ça haïtien plus rentré dans le pays d'Haïti. Spirit a deux vols sous Cap-Haïtien. Il y a un vol qui est arrivé vers 10h. Comme ça, il y a un deuxième vol qui est arrivé vers 1h30. Côté que et c'est normal. Je dis qu'il n'y a pas de demande, mais il y a des faits. Et que vous-même, vous agréez. Mais maintenant, il y a une petite discussion qui a fait tout parce que et probablement, deux vols sont capables jusqu'au 9 juillet.
Mais pour nous-mêmes, nous trouvons que qui n'a font plus doyer actuellement là pour nous regarder comment Spirit a kakembe deux vols ça pour nous-mêmes. Parce que nous parlons de nos périodes pic, nous connaissons le nord, potentialité de se faire champêtre. Lors entre le mois juin et septembre, c'est un moment où la diaspora, surtout, vient en pile dans le noir, vient dans la fête champêtre. On va rentrer dans Limonade, on va rentrer dans Plaine du Nord, on va rentrer dans Baudemer Limonade, on va rentrer dans Sainte-Rose. Ça veut dire qu'on veut une fête qui va le faire là, côté en pile monde dans la diaspora va rentrer. Et nous pas avoir que yo gain pression pour rejoindre vol et autant de fois gain plus vol pour gain plus possibilité pour que coût et billet moins élevé par rapport à ça va gagner comme challenge en termes de pression si que va gagner plus et vol donc on est concurrence dans lui-même puisque gain plus activité et puis intéressant et ça fait que nous avons plaidoyer là auprès de Camilo pour nous garder comment il est capable de gagner vol deux volios sous Cap Haïtien, notamment entre juillet et août, pour nous garder, pour que nous aider et les gens qui sont dans la diaspora qui sont intéressés à venir. Et les gens qui sont sous Cap Haïtien, qui veulent voyager et tout, ou bien les gens qui sont dans Biden, qui ont bien plus de chance pour partir. Selon le magistrat, tout le temps, il y a plus de vols qui sont faits dans l'aéroport au Caplan, il y a plus de diaspora qui sont entrés, viennent voir la famille et puis viennent participer dans la fête champêtre. Gira Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Merci Maxino et nous avons rendez-vous hebdomadaire. Donc chaque vendredi, nous avons rendez-vous avec Jude Deonsri qui va parler nous de ce qui a passé dans HMI, là, ça veut dire dans l'industrie musique haïtienne. On a rejoindre Jude. Samedi qui s'est passé là, groupe musical New Look était en performance dans Margate, État Floride. Just là, t'es joué P4 Music qui sous dernier album ni y inclut des anciennes musiques qui étaient arrivées sous public là. Un moment qui était bien important dans la soirée, c'est lorsque Yvon André, alias Capi, du Tabou Combo Superstars, était invité sur le podium pour chanter avec Arlie Larivière. Après la performance, nous demandons Capi du Tabou Combo, ça, ça veut dire pour lui, chanter une musique Tabou Combo avec New Look. Et Maïsoua Arlie Larivière était invité me faire un jam avec eux. Donc c'était un honneur pour lui pour te présenter bas public là. Et puis pour lui annoncer que ça le dit, tout ça nous l'a fait qu'on y a un Tabou Combo te fait déjà. Et je me sentis heureux pour moi-même de participer à la soirée ça. Et puis pour me défendre avec nous look qui est un groupe haïtien qui est très très valable. Voilà. Nous t'ai parlé tout avec André Desjans qui c'est musicien groupe musical New Look qui t'est manifesté satisfactionné après performance là. Et moi t'es toujours attendu que le public là pral bien apprécier et prestation à soi. Surtout avec nouveau CDA qui sort. Donc, nous devons attendre ça. Dans finissement soirée, nous te prend opinion quelques mélomanes parmi nous, Dado DYS, animateur culturel. Et Jazz l'a plus en confiance avec un nouvel album. Et fanatique nous qui mettez Jazz en confiance, au capable de sentir généralement, c'était famille nous qui était présent et les motivés musiciens. Donc, au capable de vous gagner plus d'énergie et donc, yo défoncé yo et ont une belle prestation. Si vous me dites j'aime bien nous ou pas comprendre parce que j'ai presque au moins 4 ans m'a marché dans jazz là. Pas j'aime pas là. Dominicanim là, New York là. Que croisière nous l'ou faire avec pour anniversaire aller la rivière moi là, Palladium moi là, Zénith moi là, Roadrunner moi là, Florida moi là. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Oswald Clairveus, alias Oswald, chanteur, compositeur, musicien, sorti un album tout neuf qui portait nom Oxygène et qui gagne 14 musiques sous lui. N'a fait connaître que gagne 3 artistes invités sur l'album, non? Chaba qui chantait musique qui portait nom Bouléon Cob, Rochel Guillaume qui chantait Crasé avec rappeur Steve J. Bryan qui chantait Perdit Contrôle. D'après ça, nous arrivons constater. L'autre nouvelle souvée d'être dans la musique haïtienne, maestro guitariste Ronald Smith confirmé pour VOA Creole dans une conversation téléphonique, groupe musical Extrême Musique qui était fondé dans Miami, pas existé encore. Ronald Smith annonçait qu'il y retournait comme deuxième guitare dans le système Ben de New York, bon côté Reginald Benjamin.
retour effectif dans le système Ben de New York à partir du mois de juillet 2024, d'après sa artiste la déclaré ben nous dans le téléphone. Merci Jude, bon week-end tout le monde. Non pas, c'est Jude, on serait pour VOA Creole, Miami. Premier ministre Gary Conille, à travers l'aide que le TVO et by Excellence, qui c'est Edgar Leblanc fils, qui s'alte dit dans l'aide ça. Primati, alors Premier ministre Gary Conille, et Port-au-Prince 26 juin 2024, Excellence, Monsieur Edgar Leblanc fils, président conseil présidentiel transition en Abioul, Excellence. Moi j'ai honneur pour me faire connaître et moment que m'a voyé là ça m'a écrit ça que moi doué dans une délégation qui quitter pays hein qui quitter pays mais quitter pays hein quitter de quitter pays hein 26 juin pour arriver 6 juillet 2024 et qui pour aller Washington DC aux États-Unis et pendant que pour aller hein dans cadre on tourner inspection côté pour faire dans ambassade Haïti dans Washington. Et a profité occasion ça tout pour visiter et chita parler dans Conseil sécurité Nations Unies dans date qui était mercredi 3 juillet 2024 là. Et on profite li profite occasion ça pour que renouveler Excellence et également fils assurance puis haut considération docteur Gary Conille. Et c'est ça que PM Conille te dit dans lettre que t'a adressé avec le président conseil qui c'est Edgar Leblanc fils pour un pile monde qui t'a dit que PM Conille à travers la primature les pas mettait conseil au courant de déplacement aux États-Unis parce que pas oublier que réseau la presse et un pile secteur a dit que PM n'a déplacé sans que les pas informé mes conseillers. Est-ce que l'aide ça l'était daté avant que PM n'a déplacé puisque l'en a gardé dans l'aide ça l'y fait les Port-au-Prince 26 juin qui donc deux jours après 28 juin que il t'a déplacé hein? Est-ce que c'est après tout antidaté les questions qu'on a posé est-ce que vraiment qu'il y a un malaise qui existait entre la primature et la présidence c'est les questions encore qu'on a posé. En même temps, tout réunion de travail qui était organisé dans le Conseil présidentiel et Conseil Nations Unies, hein, côté qu'un pile pays parlait et réagit sur la situation Haïti, hein, et il a demandé pour que il aide Haïti et permettre que une solution qui joigne avec ensemble crise que pays a connu là, c'est internaute nous. Nous allons regarder ça, yo, et avec ensemble de leurs points, et des yeux, nous allons regarder beaucoup de parle, mettez sous invité nous, qui pourra analyser avec nous, et qui pourra répondre ensemble de questions. Et si comment est-ce avant qu'il vienne avec invité, hein? La situation, nous comptons rejoindre nous dans l'espace à Calfou Vérité, hein, vu que tous les amis internautes déjà, chita sous t-shirt bio pour suivre ensemble ça pour le partager avec eux comme information. La situation de soldats kenyans yo mettez pied à terre dans le pays d'Haïti, yo veut juste kafourita dans fief gang chez méchant côté yo tap fait parade avec zam nan main et pour affronter tap jan yo émission pratiquement gagné pour aider la police et attaquer bandi yo ka pa problème en dedans pays. La situation ka grave dans le pays d'Haïti. Ça passé. Ensemble confrères concerne yo dans divers médias font coup de tête dans direction l'hôpital général. Bandi vivent ensemble yo pas presque quitté en rien dans espace ça. Yo bouleversé espace ça, craser porte d'entrée, craser porte côté, yo compte hospitaliser moun. C'est des situations qui paraît très graves. Autorité qui dans l'état besoin assumer responsabilité yo. Parce que on peuple sans soins de santé, c'est un peuple sans vie. Heureusement que chef gouvernement c'est un médecin. Gain dans conseiller présidentiel yo c'est médecin qui yoyé. Exact. Assumer responsabilité yo. Parce que Gary Conille dans venir en dans pays a, il fait une expérience avec un malaise, s'il pas de moyens, s'il pas de réputation, pour le ta dans l'hôpital de renom, eh bien il te doit pas là encore. Faut que yo pense au moins avec moun qui dans plus bas niveau yo. Situation qui gagne en bas la ville là, il paralyser l'école yo, université yo,
la vie paraît impossible. Faut qu'autorité qui est dans le conseil présidentiel de transition assume responsabilité. En plus, gros question qui a posé. Qui rôle officier kenyan yo en dedans pays ya dans quatre missions qui ont venu? Parce que ouais, c'est parade qui a fait tant que police circulation en route pendant la population pas suspend, perdit la vie yo pas suspend violé dans divers quartiers populaires côté gang a fonctionné en dedans pays ya. Gros discussion à travers et diverses organisations militants yo qui demandent place yo dans gouvernement et transition qui vient là. Et en pile parole, en pile, la presse qui a tiré causé. On segment la presse qui dit que torchon qui a boulé entre conseillers présidentiels et membres dans le gouvernement à travers la primati. Nous pouvons questionner, nous pouvons regarder si tu as gagné une éventuelle mésentente entre deux branches pour voir qui est si tu as gagné pour payer pour casser. Est-ce que ce n'est pas peuple haïtien qui peut tomber dans l'autre crise bien longue encore, mettez sous ça que le pays a tapé déjà. Mounio dans Williamson a pris des situations très graves. Pour plus petit, on disait qu'il est passé en bas flamme d'effet pendant le week-end. Non, et ça comptait plusieurs autres mouns qui mourent, accident qui blessé, qui prend soin, qui a nécessité dans l'hôpital. Conflit ça a éclaté depuis un bon bout de temps. Dans la question, t'es autorité, dans la justice, dans la police, dépassé par les événements. Yo pas jamais dit rien sous question si là. Mais c'est sur l'autre problème qui gagne dans la communauté. Citoyens qui vivent dans la cité de Gapoua, dans Akaye. Pas qu'on a qui s'est adressé, c'est presque chaque jour, on remet à venir, qu'a fait au voltiger, courir la caillou, parce que, courir quitter la caillou, parce que bandit, dans le Canada, toujours annoncé qu'il a venu attaquer Mounio, et vin ouais, faiblesse la police, qui gagne dans la communauté, et Akaya, dans cette personne, Mounio pratiquement a mal vivre. Et c'est pas Akaya, tout simplement, c'est presque quatre points géographiques pays, nous t'a dit, et des plus gros départements géographiques pays, qui ont encerclé avec gang. Responsable, dans UNICEF, fait quoi, c'est plus passé, 300 000 timoun qui trouvaient dans une situation très difficile, dans grand goût extrême, sans compter grand moun yo kap kon des situations très difficiles, des situations, tout ça aussi la cause insécurité que l'autorité a besoin d'arranger. Divers départements ont posé gros questions avec Normil Rameau, le cas dans le département de la Tibonite, ils ont demandé directeur qui s'est pris pour opérer des changements, mettre des moyens disponibles pour empêcher Bandi Grand Gris, Bandi Kokorat sans race 1 qui est dans la Croix-Péris et Bandi Kokorat sans race 2 qui est dans Tibouadom entre Nord-Ouest et la Tibonite, Kapta et Manda qui empêche Mounio vacuer avec activité. Ensemble, point ça, nous pouvons regarder, nous pouvons analyser, sans doute nous invité, nous pouvons regarder ensemble des crises que le pays a connu là, qui ça lui-même, comment le dans le gouvernement monté, est-ce qu'elle sent le chita? Est-ce que nous sommes prêts à garder l'intérêt de la République au lieu d'intérêt par eux? Parce que nous, son partage gâteau total, chaque conseiller qui est dans le conseil présidentiel et transition, gagne mon paio dans le ministère. Est-ce qu'elle pourra faire affaire à la situation? Charles, comment est-ce que mon frère? Nous n'avons pas parlé, oui, là. Blaise Peterson, Desi Venès, alors nous profitons de ça pour nous souhaiter joyeux anniversaire avec vous. On va continuer en retard. Merci Charles. Ok. Bien content. Son plaisir, Blaise, et désir pour que nous ensemble encore dans l'émission ça. Nous profiter saluer tous les amis internautes qui pas jamais pas branché et ceux qui toujours partager l'émission ça. Nous féliciter yo, nous remercier yo. Pendant à profiter saluer tous les amis la pleine nous yo. Et qui c'est vraiment fan d'émission ça. Bon, je pense que c'est mon la pleine dedans d'émission ça, comme ça, Blaise. Bon, en tout cas, c'est émission par Oléry, qui de autant de l'homme, parce qu'il a fait émission, il a fait chemin li. Et c'est là, il a eu intérêt tout. Son désir, Blaise, pour que nous capables ensemble, pour nous analyser ensemble de faits ça yo, qui a développé dans le pays. Ya. Et on nous regarde ça, nous, Charlot, et d'abord, ou déplacement PM Gaïkoni qui te quitte pays, 28 juin pour arriver 6 juillet, ou même, et qui ça, selon vous, comprendre de déplacement PM, non, et qui fait un peu l'intervention, et qui encore mette accent sur la situation Haïti qu'on est là? Moi, je pense que Blaise, il tape toujours comme ça, parce que PM, non, personnellement, il gagne une responsabilité. Je pense que les gon feuille de route que international là lui-même li bali et à chaque fois que li rive dans yon limite c'est normal pour que li capable retourner et aller dans origine nan, son façon pour que li capable connaître qui ça suivi yo à pied moi pas considérer déplacement PM nan tant kou seulement yon moun qui a fait des démarches mais moi crois tout faut que li aller pour capable connaître toute dernière décision yo comment doit prendre surtout dans question insécurité parce que force internationale là présent donc pense gen quelques instructions
que lui-même il était supposé joindre, donc tout ça est rentré dans voyage lui, dans quatre voyages lui. Pour qui ça c'est, pour qui ça dit c'est et il fait de route internationale à Bali. Alors que c'est Haïti, c'est nous-mêmes comme haïtiens, c'est pour nous l'IPM, c'est pour nous libéral exécuter, libéral diriger, libéral poser ensemble de action, pour ça c'est fait de route internationale que vous parlez. Bon, Blaise, est-ce que là t'es jamais gagné un groupe haïtien ou du moins un groupe politicien haïtien qui t'a un plan qui t'a développé qui dit eh bien OK mais qui côté nous voulons aller avec Haïti n'a exécuté plan ça pas jamais fait pas jamais t'es un groupe haïtien t'es fait pas jamais t'es un gouvernement t'es fait pas jamais t'es un ensemble de politiciens qui t'a fait ça mais tout simplement nous toujours ouais, à chaque fois que on décision pour prendre pour Haïti c'est toujours international là qui prend c'est toujours lui même qui décide c'est lui qui choisit qui est-ce qui pour faire qui ça. Donc, je pense que c'est toujours même continuité à Cap Fête. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de problème avec ça. Nous n'avons pas de problème avec ça. Seul bagage, c'est que nous toujours, ouais, ensemble de décisions, ça y est, pas toujours en faveur du peuple haïtien. Et c'est ça que fait jusqu'à présent, nous restons en attente, nous avons gardé pour nous, ouais, pour ça, est-ce que ça a fait là, ou je me suis prêt à le faire là, s'il vivait fait, donc est-ce qu'il y a en faveur nous-mêmes, peuple là, qui toujours subit? Non mais songez que Viniga Ikoni c'est vrai c'était presque à l'unanimité que conseil a été voté des IEL mais et pas oublier que conseil la série même ça c'est capable dit qui est accouché Koni par rapport avec comme si exécutif de tête là mais et conseil qui ont accord 3 avril et accord 3 avril là qui ont ensemble de points et ces points ça yo c'est accord ça que EPM Koni a venu exécuter qui là on dit j'ai perdu Charlo leur montre comme si que pas jamais te gain de monde qui dépassé qui te gon plan pour et soit on dit libérer pays ça ou dimanche que avancement pays ça et qui sont comprendre de et accord 3 avril et conseil avec comme si PM Koni qui là pour exécuter accord ça li jusqu'à présent me pensais que accord a toujours existé et que me croyais il toujours existé travail peut-être grand chantier pour commencer. En réalité, même quoi accord a toujours là, vraiment t'as souhaité vrai c'est accord ça qui exécuté et c'est souhait que nous-mêmes nous tous nous t'as souhaité parce que j'en dis à te gagner en pile chita pour que accord ça a été capable de signer mais il était tout simplement pour nous garder exactement Jean Bagay a commencé là entre CPTA avec gouvernement Koni là pour nous garder est-ce que en réalité accord ça a respecté. C'est ça c'est seulement nous rester n'a observer jusqu'à présent parce que accord a signé c'est youn mais qu'on y a exécution son l'autre baguette. Moi connais que ou c'est un acteur politique qui très présent sous scène non et d'abord dans pleine et l'autre côté encore comme militant politique comme acteur politique autant des mêmes autant des différents et médias yo médias en ligne traditionnels et côté même dans la population civile là et comme quoi on a dit que gon marionnettes qui pas marché bien entre la primature et l'exécutif la présidence on a dit que un PM Koni avec conseil présidentiel ou même qui comme moi acteur politique qui soutient là qui sont comprendre de ça et qui sont gagner comme information et comment tu comprendre ça si vraiment tu as gagné ça nelé et on dit tu as vraiment gagné gon torche qui t'a caboulé entre deux têtes exécutif là. Ça n'a pas étonné nous. Ça n'a pas étonné nous. Bon, personnellement, ça n'a pas étonné nous parce que nous connaissons toujours gagné un torchon ça a brûlé parce que CPT n'a pas d'accord pour que c'est Koni qui a coupé raché. Et gardez bien pour vous, presque toute revendication, yo, c'est dans un seul sens. Donc, c'est comme si le Premier ministre a compris que c'est le président, c'est lui qui tout bagaille. C'est lui-même qui a pris toute décision, il n'est pas d'accord. Même CPT yo pas d'accord pour que Koni lui-même lui vienne diriger pour lui peut-être yo pas prendre leçon yo pas tirer la révérence parce que si au moins yo t'a fait yon petit recul yo t'es capable aller dans le gouvernement Boniface avec Gérard la Tortue peut-être yo t'es capable ouais comment ça t'aime pas quoi yo t'a attendre que t'a bon bagaille qui différent donc avec Gary Koni et puis plus sur même journée jodi à la me pensais que CPTA lui-même, yo supposé capable réfléchir, garder pour yo c'est parce que yo tout yo fait partie problème non.
yo te fait partie problème nan. Donc on y a si toutefois yo mette ensemble, y a cherché solution ensemble, donc que yo pas courir sorti ego yo, donc nan sans ça, que yo même c'est vrai entre yo, yo capable discuter certaines choses que yo réalisé au niveau gouvernement avec Gary Conille qui pas marché, yo fait ça, yo régler li bien sans que yo pas obligé quitter le prendre la presse. Parce que à chaque fois que gen plus scandale qu'a répété entre eux même, me pense c'est faible y a vinn plus faible. Et me pense c'est CPT a vinn plus faible parce que nan façon gouvernement monté avec quantité pouvoir que nous wèg Gary Conille vinn là, mon cher pas trop facile. En avance les Ivelins. Très bien et Chalo, et par rapport avec cette situation ça, c'est ta bien intention tout bon vrai. Est-ce que selon li pral nan intérêt peuple ou bien li pral nan intérêt conseiller présidentiel yo qui yo chaque déjà un bout de zone mais y a soucé ou bien c'est nan intérêt et oligarchie ou bien c'est nan intérêt communauté internationale là bagay la tourner li peut-être capable nan intérêt tout le monde sauf peuple là li pas nan intérêt moi même Charlo qui censé prisonnier nan yon non commune côté m'a vive. Li pap nan intérêt, li pap nan intérêt population qui a dormi en bas pied bois la pli a tombé sous petite yo pa konnen ki jou ki l'heure